Coucou. Comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec l'artiste Kongta et son tout nouveau titre Freezing. Alors pourquoi faire une réaction sur son nouveau titre? Parce que j'aime énormément sa tessiture de voix et ça fait tellement longtemps que j'attends son retour. Donc d'office, il fallait que je réagisse à son nouveau titre maintenant. Ça fait un peu de jazz comme ça. Ouh, ça fait très chill. Oh, ça c'est joli. Comme s'il était enfermé dans du verre comme ça. Oh. Ah, il m'avait manqué. Oh, vraiment ce truc avec ses mains là. En tout cas, ils ont fait à fond dans le make-up là. Voilà, pas de SM dans le MV, hein, c'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup les tenues des danseuses, mais surtout leur ornement sur leur visage, comme s'ils devaient se taire et rien dire. Pourquoi? Et lui, vraiment, enfermé dans cette cage en verre, comme si le silence était de mise au point, en fait, je sais pas. Oh! Un grand soleil, on passe vraiment de la couleur, mais ça reste sombre dans les tons noir rouge et puis ce côté noir et blanc. Après vous me connaissez, moi j'adore tout ce qui est noir et blanc. Est-ce que c'est comme ça avec vraiment tout le visage avec ce masque en perles? Ouais, c'est comme un cycle éternel, mais un cycle de poids. Cette MV me perturbe énormément. C'est vraiment très jazz, hein. Limite vous êtes avec votre scotch à un bar là, dans les années 40-50. Oh, ça c'est très sympa. Oh. Ok, il tombe. Mais pourquoi il tombe? En même temps, c'est très sensuel à la fois et artistique, je trouve aussi. Toujours ces portes. Une femme en blanc enfermée à sa place. Pourquoi? Alors, le MV, pour ma part, est très perturbant. Même je trouve que l'esthétique est quand même pas mal, certes simple, mais je trouve vraiment ça très artistique, perturbant, un peu loufoque. Et on dirait que les femmes doivent rester dans ce silence. Également lui, est-ce que c'était lui sous tout ce masque mais complet de perles? Mention au masque de perles et même juste pour les danseuses, c'est vraiment un petit détail que j'ai apprécié. C'était vraiment très très joli, merci au styliste. Mais au niveau, oui, MV, je reste vraiment perplexe, débutatif. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Même Kongta est enfermé dans cette cage en verre. Après, je n'ai pas traduit les sous-titres en anglais pour vraiment m'immerger complètement dans le MV. Mais franchement, je ne comprends rien du tout durant mon premier visionnage.
Mais rien n'enlève que j'aime quand même l'esthétique, certes simple, mais artistique du MJ. Au niveau de la chanson, c'est très chill, très Jay-Z. Et en même temps, vous avez ce groove cool Raoul. Limite, je me vois bien dans un bar dans les années 40-50 avec mon scotch et boire comme ça, regarder vraiment une danse Charleston au loin. Ouais, je dis vague, je vais un peu loin. Mais vous voyez un petit peu le genre de concept que j'ai l'impression que ça donne. Dans l'ensemble, je suis contente de son retour et assez mitigée avec le MV que je pige rien du tout. Et la chanson, j'aime bien quand même. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus d'informations au niveau du MV et son histoire. Est-ce que vous avez aimé comment ça a été tourné et sa chanson? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Nara. Girl,